C'est vous, hein? De pas dire finissez, puis. Il y a pas plusieurs sympas. Non! C'est sérieux le bazar! On vous écoute! Hein? On a besoin aussi de respirer parce que, tac, vous nous envoyez le truc, puis on applaudit parce que c'est d'ailleurs tout à fait normal. Alors, là, il y a plein d'écoles là-dedans, déjà les trois. Bon. Alors, ça cohabiter, tout à fait. Le drums aussi, ce que tu as proposé. Et très rapidement, tu as appelé, c'est comme les trompettes de Jéhovah. Tu vois, tu donnes ton truc et dis « Hey man, shit, follow me !» Ben non, tu vois, lui, il ne t'a pas suivi. Non. Donc, tu joues la batterie, tu sais, c'est large pour moi la batterie. Hein. Tu peux faire une pièce même que sur une cymbale pendant 10 minutes, hein. Écoute-moi. Hein. Batterie, c'est beaucoup de choses, hein. Il n'y a pas d'obligation que dans une pièce, il y ait un tempo qui se fasse et que tout le monde aille dans le même tempo. C'est très, très large. Alors, comme on ne t'a pas vraiment suivi, je m'adresse aux drums, tu montes en crescendo. Alors, du coup, le sax, il est mort. Tu n'entends plus. Tu fais, oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Donc, toutes ces choses-là, je m'adresse aux drums. C'est une écoute. C'est que si toi-même groove ce que tu veux, tous ces termes, je m'en fous. Il y avait une guitare un peu avec toi. Mais vous, c'est pas un duo, vous êtes à trois, vous êtes démarré en trio. Très très beau ce début. La musique c'est du collectif, on n'est pas seul. Si tu es là, c'est parce qu'il y a tes deux autres potes, tu es d'accord? C'est pareil pour les autres. Donc on a affaire à ça, on a dans l'improvisation, tout peut arriver. Tout! Tout,
en termes d'esthétique, de gars qui, lui, vient faire 10 heures d'avion, il arrive de Vancouver, t'as un gig là, il est crevé, et pff, il a pas dormi, toi, tu as fait juste une heure de train, youpi ! Il y a mille choses qui font qu'on arrive sur le plateau et on doit faire de la musique. Et écoutez-vous beaucoup, 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 beaucoup. Je peux t'arrêter. C'est joli parce que tu prends mon écran. Je t'arrête. Il attaque un motif très précis. Papa, ça veut dire quelque chose. Éventuellement, tu reprends le même, tu as eu raison. Lui, en attaquant, écoute ça, c'est un sujet vif dans l'improvisation. Il attaque ça. Il sait même pas ce qu'il va jouer. T'es d'accord? Il respire, il sait pas où il va. Déjà, tac, t'as l'autre qui lui colle au nez. Tu vois? Mais prends, non mais voilà, prends le temps. Prenez le temps. On a le temps. Tu vois? Non mais, on sait que quand on improvise, on a envie de jouer. Tant mieux garder ça, c'est une bonne dynamique. Mais il sait pas ce qu'il va faire. Attends, peut-être qu'il va phraser. Peut-être qu'il va autrement, ou il va... Où else? Qui sait? Puisque c'est juste, pas faux. Prenez le temps. Est-ce que tu peux? Oui, c'est pas difficile à te rappeler comment tu as débuté, non? Voilà, c'est une mémoire. Cool. Laisse-le. C'est ça aussi, faire de la musique ensemble, hein, les gars. Tu te rappelles du boum boum, tac-tac. Allez, laisse-le, on va voir. Thank you.
Ça, vous avez pris votre temps. Très important. Le drums avec les ballets. Au moment où tu t'es arrêté, je dis, oh mon Dieu, si j'avais les ballets, je les ferais moi-même. C'est très, très important, là, le sujet rythmique, polyrythmique. Il y avait trois. C'était une polyrythmicité à trois. Et vous avez très, très, très bien tenu. Sauf que vous êtes dans un train. Comment arrêter le bazar? Là, tu as un rôle à jouer, tu vois, de freiner qu'un gold d'arbre, bien entendu, puis il a mis, c'est sans accord, puis le drame aussi. Parce que c'est effréné, c'est très difficile, mais évidemment, si c'est écrit, on le sait. Dans l'impro, des fois, il suffit d'un regard, on se regarde, tu vois. C'est très bien, il y a peu à dire, très bravo. C'est très bien.